Salut à toutes et tous, bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui. Pierre Ménès bien sûr est à mes côtés, il ne voulait pas manquer ce rendez-vous. Attention, aujourd'hui le match auquel nous allons assister va être très spécial puisque à chaque fois que l'équipe marquera, l'un de ses joueurs sortira sans être remplacé. On a vraiment hâte que ça commence. Ouais, un match qui par nature s'annonce équilibré parce que évidemment ce ballon en profondeur. On cherche une solution. Le tir. Oh, le poteau. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Là, ça passe largement à côté. Castro. Miguel Layoun. On s'approche de la zone de vérité. Chercher une ouverture, bien sûr. La passe est coupée et bien défendue. Mauricio Isla. Melanda. Ljajic. On cherche la faille dans la défense adverse. Enzo Crivelli. Oh, il y est ! Oh, le premier but dans cette rencontre ! Une rencontre qui démarre à fond ! C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Corentin Tolisso. Ah non, le ballon est perdu. Michy Batshuayi. Cherche une solution là. Michy Batshuayi. Il prend sa chance. Oh, c'est repoussé par le montant. Ah, ça passe assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que c'est super mal réalisé. Melanda, Quaresma. Peut-être une bonne opportunité, attention. Il perd le ballon. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Dommage, l'idée était bonne. L'action qui se poursuit. Oh, l'arbitre estime qu'il y a avantage. Michy Batshuayi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Oh là là, l'occasion. Oh là là, c'est pas passé loin. Non, c'était pas mal joué. Il faut tout de suite oublier cette occasion pour repartir immédiatement à l'attaque. Tolisso. Melanda. Le ballon qui va revenir à l'adversaire. Choisi de redonner à Batshuayi. Il faut trouver une ouverture. Elia. Il faut trouver une option disponible. Ouais, il est en bonne position là pour centrer. Allez, c'est pour un partenaire au premier poteau. Ouais, il s'est pas embêté avec la relance, hein. Boum. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. La contre-attaque qui se poursuit. Tolisso. Corentin Tolisso. Nzonzi. Melanda. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Ballon pour l'adversaire. Allez, ça joue vers l'avant. Quaresma. Ouais, là, ça passe assez loin des cages. Il
Björn Engels. Allez, il a de la place dans le couloir. Il essaye de trouver la faille. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. La petite passe en cloche. Quaresma. Ouais, pour son partenaire au deuxième poteau. Notre attaque parfaitement menée, qui ne parle même pas. C'est vraiment bien joué d'un bout à l'autre, de la récupération à la finition. Je valide. Ouais, belle tête, hein, Pierre. Superbe, il met exactement le ballon où il a envie de le mettre. La belle détente en plus. Et nous voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Castro. Et si Batshuayi. Oh, le ballon dangereux. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud là. Pas très chaud ça. Quaresma. Belanda. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. En profondeur. Oh, le but, oui. Ah non, le but qui sera refusé. Une position de hors-jeu. Et on voit à l'écran l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. On peut aussi voir toute la colère du buteur. João Mario. Castro. Michy Batshuayi. João Mario. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Peu pressé sur ce ballon. Deux minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. Belanda, Tolisso, il cherche des solutions là. Castro. Voilà, les uns et les autres vont regagner. C'est reparti ici avec le coup d'envoi de cette seconde période. Les joueurs ont eu un peu le temps de souffler, puis surtout l'entraîneur a dû rectifier les petites choses qui n'allaient pas en première période. Serdar Aziz. Ouais, coup franc, il a fait faute. Mauvais dégagement là, attention. Corentin Tolisso. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, pas évident ce hors-jeu. Ça doit se jouer à pas grand-chose. Et encore une bonne passe. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Belanda. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Le centre qui file vers le second poteau. Mais non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Mais l'arbitre qui a sifflé, coup franc, rien à dire. Michy Batshuayi. Michy Batshuayi, indéniablement l'un des grands espoirs du foot belge. C'est un joueur puissant, très bon en jeu aérien. J'aime bien ce joueur parce qu'il est vif, instinctif, il est drôle. On peut peut-être lui reprocher de parfois manger la feuille, mais il a une marge de progression très intéressante. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Ouais, bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. João Mario, Castro. Un prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Ah, ce serait pas mal, oui. Corentin Tolisso. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Et
Et 30 minutes à jouer hein, dans le temps réglementaire. Corentin Tolisso. On s'approche de la zone de vérité. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Oh, l'arbitre qui désigne le point de pénalty. Déjà que la fin de match annonçait compliqué, là je crois que l'affaire est cuite. Hein. L'arbitre qui choisit de siffler faute sur cette intervention. Excès d'engagement pour l'arbitre, ça fera donc coup franc. Ah oui, l'arrêt ! Le duel remporté par le gardien sur ce pénalty. Le corner qui va arriver en... Oh l'erreur ! Oh la bourde ! Ah, c'est terrible de voir un défenseur marquer comme ça contre son propre gardien. Allez, il ne faut pas se focaliser sur cette bourde. Ouais, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. La présence, Corentin Tolisso. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Avec coup franc. Coup franc à venir. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Quaresma. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Allez, dégage, très loin. Le corner, le ballon en pleine surface. Un mauvais dégagement, mal fait. Ah, il va marquer. Oh, le ballon qui a flirté avec la ligne de but et intervention décisive du gardien. Ouais, tout le monde peut respirer un grand coup. C'était une occasion nette, mais le danger est passé. João Mario, Pichy Batshuayi. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. C'est un ballon perdu bêtement, ça. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Quaresma. Quaresma. Il faut qu'il centre, là. Ah, cette tête ne sera pas cadrée. Il lui a manqué quelques centimètres. João Mario. Michy Batshuayi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Ah, c'est dommage, le ballon a ripé. Il y a quelque chose que les joueurs détestent, c'est bien les fourbons. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Ndzonzi. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Précieux, ça. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ouais, il manquait peut-être de conviction cette attaque. Bjørn Engels. Ah ouais, très bien pris. Corentin Tolisso. Oh, le ballon dangereux. Et il marque ! But vraiment parfait dans sa conception, on fait tourner, on ne se précipite pas. Du coup, il y a cette ouverture limpide et le buteur qui mystifie le gardien en 1 contre 1. Il ne reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. Encore 7 minutes à jouer. Un ballon pour l'adversaire. L'action qui se poursuit. Allez, il faut centrer. Ouais, excellente intervention. Il récupère ce ballon. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Ça ne donnera rien. La défense est bienvenue. L'espace directement dans les pieds de l'adversaire. Allez, il tente la petite passe aérienne. Il cherche une solution. Oh, le but peut-être. Ouais, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid.
Allez, si les bons, cette équipe, elle ne veut rien lâcher dans ce match. Le but dans les arrêts de jeu est un petit peu cruel, c'est vrai, mais vous avez leur dit, c'est un score déjà bien, bien lourd. Il n'y a plus de suspense à l'approche de la fin du match, hein, la décision est faite. On jouera 3 minutes en plus, 3 minutes de temps additionnel. Merci Mathieu. Joao Mario, on gagne du terrain. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Le centre finalement qui est récupéré. Et l'arbitre qui libère les 22 acteurs de ce match. Yannick